Les indices européens progressaient fortement à la mi-séance lundi, dopés par un regain d'optimisme concernant les négociations autour de la dette grecque. À 13h13, le Stoxx 600 gagnait 1,71% à 392,19. À Londres, le FTSE prenait 1,12% à 6785,44. Et à Francfort, le DAX était en hausse de 2,5% à 11316,65. Sur le marché français maintenant, le CAC 40 affichait lui aussi une très nette poussée, plus 2,83% à 4951,48. Il y avait dès lors 39 valeurs en hausse pour une seule petite valeur en baisse. Et justement, parmi les plus fortes avancées du jour, eh bien, il fallait chercher du côté de Bouygues, plus 14,25% pour un titre à 38,41€. Orange, plus 7,28% à 14,81€. Ou encore Saint-Gobain qui empochait un peu plus de 3,6% à 42,10€. Sur le marché d'échange, rapidement, l'euro valait 1,1351$. Le dollar s'échangeait lui contre 123,25 yens. Et sur le marché obligataire, pour terminer, eh bien, le rendement du LOAT 10 ans était en hausse de 8,2 BP à 1,24%. Pour Trading Central, en direct depuis le Stock Exchange de New York, c'était Sébastien Giron. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain.